Dans la série HPI, Audrey Fleurot n'est pas la seule star. Les jeunes comédiens qui interprètent ces enfants jouissent aussi d'une belle notoriété depuis que la fiction a été lancée il y a 2 ans. Nos confrères du Parisien ont décidé de leur consacrer un portrait. L'occasion d'en savoir plus sur leur relation avec l'actrice principale. Chaque jeudi, les téléspectateurs de TF1 ont la grande joie de retrouver Audrey Fleurot dans HPI, la série phénomène lancée en 2021 et qui en est déjà à la saison 3. La comédienne y interprète Morgane Alvaro, une femme de ménage à haut potentiel intellectuel, qui devient consultante pour la DPJ de Lille. Sans s'y attendre, la fiction est devenue la plus regardée en France, rassemblant en moyenne 9 millions de téléspectateurs. Elle a même déjà séduit jusqu'à 12 millions de personnes, replay inclus. L'épisode inédit attendu ce jeudi 15 juin ne devrait pas démentir son succès. Un succès qu'on doit à Audrey Fleurot bien sûr, mais aussi au reste du casting composé de Mehdi Nebbou ou encore des jeunes acteurs Cyprien Gardin et Noé Van Voord. Ces deux derniers, respectivement âgés de 23 ans et 13 ans, interprètent les aînés de Morgane dans HPI, Théa et Elliot. Et forcément, la série a changé leur vie. Au début, ce succès était fou, bizarre, et je n'avais pas capté la notoriété que cela m'apporterait. On me reconnaît dans la rue, et je suis obligée de me camoufler pour passer inaperçue. Dans les conversations avec mes proches, il y a plein de questions sur HPI, on me demande des anecdotes de tournage, a rapporté Cyprien Gardin pour Le Parisien. Mais ce qui lui importe surtout, si est-il bien de jouer la comédie et retrouver toute l'équipe sur le tournage. Avec Audrey Fleurot, une belle complicité s'est d'ailleurs nouée. J'ai mis la finesse de son jeu, et on parle beaucoup à côté. Une fois, on s'est accroché, car elle s'inquiétait pour moi. Elle m'a dit qu'elle s'était prise pour ma mère, a révélé la jeune fille. Pour Noé Van Voord, l'entrée en matière dans le milieu a été encore plus fou étant donné qu'il n'était âgé que de 10 ans à ses débuts. J'étais impressionné car il y avait beaucoup de monde sur le plateau. Aujourd'hui, je suis plus à l'aise, a-t-il assuré. Et de se souvenir avoir au départ eu un peu de mal avec Audrey Fleurot qu'il trouvait intimidante. Elle fait beaucoup d'impro. Maintenant, j'arrive à relancer, à proposer des choses, se félicite le collégien. Les fans de HPI vont en tout cas certainement pouvoir continuer de voir grandir Cyprien Gardin et Noé Van Voord à l'antenne étant donné qu'une saison 4 a d'ores et déjà été commandée et une cinquième devrait prochainement être signée.